à la place de Mikrobo. Cette combat, ce combat, il y a une autre quarantaine. Il y a un peu de l'âge. Les deux espagnols et les italiens. Et deux premiers combattants déjà présents sur le ring. Ouais. Armen Ambarian et Gesim Derwish. Derwish qui va avoir un grand entraîneur de boxe anglaise dans son coin avec la présence de Louis Lavalli. Et puis Armen, oui. En face, c'est pas mal aussi. Hein. Pacha Vallon de la Vallon Team qui a brillé lors du dernier Partouche Kickboxing Tour. C'était sur RMC Sport. Ça a été d'ailleurs la grande victoire de la Belgique. Hein. Il vient de Belgique, de Bruxelles, du team Vallon. Il a 22 ans pour 1m85. Il a son palmarès, 33 combats, 24 victoires, dont 12 obtenus avant la limite et 2 matchs nuls. Merci d'accueillir Armen Ambarian. Le roi. Son adversaire dans le coin rouge qui représente la Mais il est à domicile, ça va peut-être compenser. Et puis Armen Ambarian, si vous souvenez bien, si vous étiez devant RMC Sport lors de la finale à Lyon. Eh bien, je l'avais interviewé à l'issue de sa rencontre sur le ring et puis j'avais demandé s'il s'était préparé en Thaïlande puisque j'avais vu sur les réseaux sociaux qu'il postait pas mal de photos et de vidéos là-bas et en fait non, il était allé, nous avait-il dit alors, juste en vacances. Il est retourné depuis le mois d'octobre et sa victoire au Partouche Boxing Tour, retourné en Thaïlande. Peut-être que cette fois, il a un peu plus axé son déplacement sur l'entraînement. On va en juger rapidement. On l'avait vu percutant, destructeur dans ces deux combats. Mais ce qui a bien le plus hein, chez ce combattant, c'est ses qualités tout de suite offensives. Hein. Il attaque immédiatement, il met de la puissance dans ses coups. On le voit attaquer avec les middle. Et les deux combattants qui mettent déjà beaucoup de poids sur tous leurs coups. Qui déséquilibre Gesim. Il passe en garde de gaucher Armen. Oui, attention. C'est bien, bras arrière, jambes arrière également. Il a une petite manie là, Derwish Kamel, c'est de se pencher un peu vers la droite. Il se balance le buste. Et il l'a bien vu, Armen Ambarian, il y a la jambe gauche. C'est bien ce blocage croisé. Les points, c'est parti d'un peu loin. Et tout de suite, hein, Armen Ambarian qui met beaucoup de pression sur Derwish. Armen Ambarian, cette année, il est dans le dur. On l'avait déjà vu à Bruxelles lors du PSM. Il fait bien le genou direct. Où il avait fini en sang. Son voyage en Thaïlande l'a peut-être donné envie de rester dans cette position de gaucher parce que pour le moment travaille beaucoup avec son poing arrière et sa jambe arrière. Et les deux combats de Lyon au Partouche Kickboxing Tour avaient été aussi assez rugueux, assez solides. Et les Kamel, du coup, j'ai l'impression que la rate nasale de Armen Ambarian a à peine cicatrisé. Il ne faudrait pas que dans le combat ça vient de lui causer des soucis. Et on rappelle, il y a eu un tour très très difficile hein, chez Kader Marouf. Ouais, contre Gaëtan il avait affronté au premier tour Gaëtan Dombo. Sont livrés une véritable guerre. Et derrière, il y a eu le très bon travail face à Mathieu Tavares. Et voilà un travail qui rappelle tout de suite le Muay Thai, ses coups de genou direct envoyés des deux jambes par Armen Ambarian. Et c'est bien un travail au corps, ouais, le kick derrière. Il y a une belle droite aussi pour Derwish. Envoyé avec beaucoup de vitesse par Derwish.
Oh, le genou qui a été doublé en l'espace de quelques secondes par Ambarian. Ce travail au corps en début de combat qui est vraiment très important, que ce soit avec les poings ou encore avec les coups de genou. Ouh, il crochait du gauche. Il a baissé un peu la main derrière. Ouais, mais il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il a tendance à souvent se blesser en rotative. Alors par contre, quand vous avez un adversaire en face qui envoie beaucoup de coups de genou. Par contre, Kamel, il y a peut-être un léger avantage à sa façon de boxer par rapport à celle de Gaëtan Dambon, c'est qu'il est dans la souplesse quand même d'Erwish. Il peut accompagner des coups par rapport à Gaëtan, par exemple, qui était arrivé aussi raide qu'Arman Ambarian, et où ça ne pouvait, Silex contre Silex, faire que des étincelles. Mais on l'a vu dans cette première reprise, chez Arman Ambarian, il y a eu de la puissance, de l'intensité, et surtout de la quantité en termes de coups placés. Premier combat, les 4 superfêtes se déroulent en 3 reprises de 3 minutes, y compris le combat de Muay Thai qui sera à suivre juste derrière. Ça va être le seul dans la soirée, hein, le combat de Muay Thai. Mais tu mets les genoux, tu ne pas tout seul, Armand. Combattant au centre. Bagger, hein, du partage kickboxing tour. Deux combattants en forme. C'est bien hein, pour la mission qu'a ce soir Hicham. Seconde. Mouchtaïd s'est retrouvé avec l'excellent Gianni Fiorenti. Ça va vite 2 points là pour Derwish à la reprise de la du second round. Il sait qu'il a été débordé dans la première reprise. Ça a lui maintenant de... Oh, le crochet gauche encore. Il a été tout de suite stoppé hein, par ce terrible crochet gauche. Là c'est lui qui est dos au corps maintenant. On joue la puissance contre la quantité. Hein. Mais je me rappelle pas l'avoir vu rester aussi longtemps en position de gaucher, moi, Armen Ambarian. Il alterne souvent, mais là, on voit qu'il insiste vraiment dans cette position et à juste titre, hein, parce qu'on voit que ça rentre bien, que ce soit avec le genou ou le bras arrière. Oui, le bras arrière, que ce soit en direct ou en crochet. Et reprend le centre du ring Armen Ambarian. Et puis il y a Gesim qui lui facilite un peu la tâche, il reste vraiment dans l'axe. Et voilà, il reste actif quand même, il place ses low kicks, il essaye de prendre la distance avec son bras avant. Ouais, pour l'instant, il n'arrive pas à bousculer de toute façon Armen Ambarian qui paraît trop solide. Il lui faut donc impérativement marquer des points. D'autant qu'on atteint la mi-combat. Encore cette recherche, je ne sais pas si on va se crocher gauche. Pas loin de le rentrer point du menton, le Belge. C'est l'équilibre qui sonne Gesim Derwish. Ouais, mi-back-fist, mi-manchette quand même. Hein. C'est un peu l'avant-bras qui est arrivé, mais ça c'est un peu, c'est toujours le problème. Bah, tant que c'est pas le coup, Daisy. D'ailleurs, on jette l'éponge du côté de Gesim Derwish. Il a vu que ça allait être trop compliqué pour lui. Ouais, il était peut-être déjà dans le rouge comme Mouyavali, entre autres, dans le coin aller repérer. Et quand un homme d'expérience comme Mouyavali jette l'éponge, c'est vraiment que c'était le moment. Notamment hein, entraîneur de Mehdi Sanoun, champion du monde WBA des poids mi-lourds au début des années 2000. Et voilà notre Belge Armen Ambarian qui continue sa belle série. Il y a souvent un avant et un après par couche kickboxing tour aussi, il hein, faut le dire. Quand on fait ses preuves chez Kader Marouf, en général, on se met un peu sur orbite. C'est, c'est le 13e KO dans la carrière d'Armen Ambarian. La 25e victoire et ce soir à la Ligue des Champions. Plutôt une bonne fin d'année 2019 pour Ambarian, vainqueur au parcours, vainqueur à la Ligue des Champions. Eric et Anthony Romeas, il a de quoi sortir sa carte de visite cette semaine. Là, c'est son 8e combat de l'année, 7 victoires, une seule défaite.
C'est plutôt un bilan positif pour le Belge. Ouais, il a compris ça. Un ballon, Amenem Barion. Le duo gagnant. Derrière, on aura notre combat de Muay Thai, le retour de la discipline ici au Palais des Sports, avec le Marseillais Thibaut Arias opposé au Toulonnais Grégoire Gotardi, avec un premier challenge qu'il va falloir surmonter. C'est là, ça arrive entre les deux. Est déclaré vainqueur par KO dans la deuxième reprise, Armen Ambarian. Armen Ambarian. Marseille-Toulon, c'est un peu un derby, non? Ouais. La remise des prix est faite par monsieur Claude Argy, directeur du Palais des Sports de Marseille. Monsieur Claude Argy. Ah, vous l'aviez dit, Gezine Derwish, il avait une expérience assez inférieure quand même par rapport à Armen Ambarian. Malheureusement, c'est pas passé.